Alors nous voilà à l'aube, à Romoranta, en ce beau dimanche de printemps. Pas chaud René, hein? Pas chaud, il doit y avoir moins un, moins deux. Magnifique ce lac, hein? Merveilleux. Regarde, magnifique, magnifique. Une mer d'huile. Alors t'en penses quoi? Je pense qu'on va prendre des poissons, j'en ai vu quelques-uns bouger. Je pense qu'on va bien s'amuser. Eh ben alors, on y va. Allez. René, oh ils sont chiés les mecs. Écoute, oh ils t'ont pas mis là. Si, parce que je le vaux bien. Je le vaux bien. Eh l'autre fois, faut que je t'aie, putain. Bonjour les enfants. Salut. Alors, vous avez bien dormi? Impeccable. On était un hôtel 8 étoiles, ouais. Les seuls en Europe. Ah, chez le Gérard. On était très très bien. Et il a dit que vous n'êtes pas bien réveillé ce matin. Ah non, ce matin c'était juste. Ah bon? Moi j'avais dit 5h30, mais à 5h30 ça faisait pas de bruit dans la cabine. J'ai réveillé moins le quart. Bon alors, yo, qu'est-ce que vous allez faire comme amorce ce matin? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire comme amorce ce matin? Eh ben nous, on a fait une amorce étant terre de somme classique, et vous allez pêcher avec la diabolique. Alors, étant terre de somme, voilà. Oui. Et puis vous mettez du fond dedans un peu? Non, le fond, c'est au cas où si les tanches rentrent cet après-midi. Ah, ça c'est yo parce qu'il s'est fait prendre une grosse branlée par des tanches hier. Alors, maintenant il change un peu de stratégie. On emmène un peu. Non, mais bon, c'est bien, il fait soleil. Allez, magnifique. Et puis les poissons sautent un peu. Bon, écoute, on aura peut-être quelques touches. Et le plus important de la journée, on peut s'associer avec un autre pêcheur pour gagner une bouteille de Ricard. Et là, on va jouer. Ah là, au pire, une bouteille de Ricard à gagner. Ou non. Alors, c'est les Tourangeaux, la Varenne. Est-ce que vous êtes motivé? Chantier organisateur avec le nouveau et dynamique marchand d'articles de pêche de Blois, Willy. Ouais. Je viens de trouver le René. Il est content parce qu'il a à côté des coupes qui souhaitent gagner. Non, pensez là. C'est là. Oh là là, ce beau panier. Un panier tout neuf. Oh là là, tu crois que tu vas me prendre? Non, là, à mon avis, t'es capot avec un panier neuf comme ça. Parce que il peut pas le salir. Fois, ça, c'est dangereux. Là, t'es carreau. Là, j'ai peur. Obligé. Ça me fait peur. Oh là là. Oh, c'est bien beau quand c'est neuf. Ta salopette aussi est neuve. Hein. Fais voir, t'as le trou à l'arrière ou pas, d'aération? Monte-le si tu veux passer sur Pêche Maniaque. Ah non, il est plus. Non. Nickel. T'as le petit ponton, tu passes par-dessus, tu lui installes et après on t'enlève le ponton. Un échafaudage. Un échafaudage. Incroyable. Ah, c'est impressionnant. Ça, c'est l'installation d'un champion de France. Ça, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, y a pas photo. Ça, c'est beau. Ah non, là. Ça se voit qu'il est passé dans. On voit les mecs qui passent à la télé déjà. C'est un grand habitué. Même dans, tu vois, des reportages dans. Dans des clics. Quelle installation. On va le laisser parce que là, il est impressionnant. Vous pouvez rester. Non, tu me. Oh là là, il y en a partout. Je réponds. C'est trop beau. Tu réponds aux questions sans problème. Alors par contre, là, les clics, là, t'as. Alors qu'est-ce que t'as fait hier soir? T'auras assez de fil. Alors hier soir. Explique-nous comment on joue à la belote. J'ai passé une bonne soirée. Ah bon? Ça, c'est sympa. J'ai quand même regretté l'absence des gars du 41. Je l'ai pensé plus dru que ça. Je suis un peu déçu. Ah, c'est des petites bites. Un petit peu déçu. Non, c'est pas ça, c'est qu'on voulait qu'aujourd'hui vous soyez au top. Mais sinon, ça. Ah oui, bah ça, on est au top. Vous pouvez pas vous. Ça s'est très bien passé, en gros. Sylvain est beau, hein. Sylvain est beau. Vous pouvez pas vous emmener. Oula, un pêcheur motivé dès le matin, qui s'accroche dans les joncs. Ça y est, j'ai vu qu'à la caméra. Là. C'est moi qui l'ai maintenant. Bon, apparemment, Patrice pense prendre des poissons parce qu'il scotche la cape pour pas que ça déboîte. Donc il compte en prendre. Hein. Là. Pour éviter de la casser, oui, voilà. C'est les cannes neuves, ça se démanche. Monsieur Michel Rouffignac en action de pêche, magnifique. Magnifique, il nous fait un beau sourire en plus. Oh, Roland, il est beau dans l'effort. Oh, la belle bête. Oh, ça devient l'ensemble. C'est une boucherie. Une boucherie. C'est trop fort. Ah non, c'est pas moi qui est trop fort, c'est que les poissons, il y en a beaucoup. Oh, cartonné avec du Perrier, non mais je rêve. Non mais je rêve. Mais c'est vrai que je bois autre chose aujourd'hui. Hein. Ouais. J'arrête l'alcool. T'arrêtes l'alcool? Ah, complètement. 1500 points. Tu peux le filmer lui, hein. C'est un brigand. Les ailes sont pas mauvaises, c'est peut-être pas.
Ah bon? Hier. Ouais, ben là, non, il bat. Et ça va faire un et deux. Ouais, mais il bat trois. Les deux ailes. Non. Ah, ah. 2540. C'est pas 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 c'est Combien? 2235. Alors, bois un coup mon aîné parce que bah, comme t'es un petit peu sous, on va profiter pour avoir 2-3 infos. Il y en a qui ont trouvé, je ne citerai pas de nom, que dans ton amorce, il y avait du pain. Ah, il y a du pain. Mais le pain, vous savez, il faut le laver. Ah. Si vous lavez le pain, vous allez voir, c'est extraordinaire. Et pourquoi faut le laver? Pour enlever l'amidon. Ah, pour laver le pain. L'amidon qui n'est pas bon. René, pourquoi tu pleures? Je ne peux pas vous expliquer, mais j'ai battu Jérôme Lagarde. Et ça, c'est trop beau. Et il a fallu que tu fasses combien pour battre monsieur Jérôme Lagarde? Il y a 2007, il était loin, il n'y a que 2002. Le pauvre. N'oublie pas qu'il était deuxième quand même, le souffle était pas loin. Ah, il est deuxième, j'ai encore son souffle sur la nuque. Ah, mais tiens, mais c'est notre champion du monde, mon petit Yo, alors. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était bien, c'était intéressant. Alors, hier, t'as eu une aile, bon, t'étais pas en forme, t'as pas pu gagner. Mais aujourd'hui que t'étais au milieu, qu'est-ce que t'as fait? J'étais... Ouais, c'était... T'arrives pas à le dire, non, allez, fais un effort. Bah écoute, je croyais qu'on était 18 dans le secteur, je me suis dit je vais faire 18ème. Et en fait on était que 15, du coup j'ai fait 15ème. Mais rassure-nous, t'avais pas pris un bac diabolique? Non, il était pas diabolique, c'est le même que celui de Thierry qui va gagner le général. Bon, bah ouais. Et du coup, voilà. Et blague mise à part, je sais pas ce que. Si tu veux que je te dise quelque chose, allez. Cet après-midi pour le chalet en Chansas, c'est ce qu'on va faire? Oui, je sais ce qu'on va faire. On va leur foutre une... Ouais, on va le faire le bac diabolique. Là, on va en faire et une... voilà. En faire une grosse doudoune hein. À la branlée qu'on va leur mettre hein. Si je gagne pas mon secteur cet après-midi, je donne le matériel. Et ben Jean Desquet, et si tu nous entends, tu viens de perdre un sponsorisé. Encore un maniaque au bord de l'eau. Comment vas-tu ma petite caille? Ça va. Alors est-ce que tu es motivé pour cet après-midi? Ah bah oui, j'ai pas pêché ce matin. Est-ce que tu sais qu'on va te mettre une grosse branlée cet après-midi? Ah bah oui, ça je le sais. À la colline, je suis heureuse. Merci. Qu'est-ce qu'il a vieilli, Jean-Jacques Lomé hein. C'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux, je trouve. Ouais, je sais pas ce qu'il a. À mon avis, il est malade. Ouais, c'est vrai que... Putain, et Chaumé, qu'est-ce que t'as vieilli? Putain, on te reconnaît à peine. On est trop fort. Ah, quand tu as des ça, c'est des belles coupes. Hop, hop. Pour une fois, j'en fais de la roule. Merci. C'est pas eux. Merci. Un petit jeune qui monte. Tu vas avoir payé nos hôtels et tout. C'est bon, je te Thierry, tu vas faire payer nos hôtels. Bravo. Merci. Lagarde, il est où? Il est passé là. Derrière toi. Oh là. Je t'en fais cadeau. Ah non. S'il y a un jeune. Mon Pascal. Il veut bien nous attendre. Qu'est-ce que monsieur Lagarde est passé? Je crois pas. 5ème, Monteau, 2390. Bien. On s'ouvre le gagné. Merci. Gagné. C'est le meilleur. Ouais. T'es quand même pas loin, hein.